Salut à tous les amis, on va continuer aujourd'hui notre aventure sur BioShock 2 hein, tout simplement. Et le on doit aller trouver la station. Lamb, l'ami. Elle s'en servait comme une sorte de laboratoire secret pour mener ses expériences sociologiques. Une nuit, l'endroit a été inondé et tous ses invités sont morts. Selon la presse, c'était une histoire de secte. Ah bon? Retrouve-moi dans la station, d'accord? Ok. Attendez que je vérifie un petit peu les armes qu'on a, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai pas fait le jeu. Ça fait environ 2-3 semaines qu'on l'a pas fait le game, donc je me rappelle un petit peu de... des touches, on va dire. Bon. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait le game. On s'est arrêté ici, je me rappelle, mais il y a tellement de choses qu'on a fait entre temps. On a fait Gunscore and Cannoli 2 qu'on a terminé. On a fini aussi Resident Evil Village. Donc il faut que je vous rappelle un petit peu du délire. Ok, là c'est bloqué. Donc je dois trouver un moyen pour aller de l'autre côté, je pense. Ouais, c'est bloqué par là. C'est quoi ça, ça vient de l'horreur ou quoi le délire? Oh là 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 là. Ça je prends. Et des choses qui se passent que j'aime pas du tout. Je crois que j'ai plus de balles sur ça. Tac tac tac. Ouais, j'ai vraiment plus de balles sur rien du tout, quoi. Bon. Bon, on va essayer de voir si on peut acheter des petites choses. Alors. Tac, tac, tac. Dérivé, ouais, je peux en prendre. Et des balles de calibre, ça devrait le faire. Et un petit trousse de soin pour le fun. Donc, ouais, 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 bon, il y a des trucs qui bougent là, je sais pas à quoi ça, c'est quoi ces trucs là, d'accord, bon là c'était bloqué, hein. On a fait tout le tour. Vérifie qu'il n'y a rien. Je vais l'habiter. Qu'est-ce qui se passe? Allez, crève. T'es une malade, toi. Hein. Tu peux descendre ou pas? Attention. Le sujet Delta a drainé l'eau du parc Dionysos pour mieux le profaner. Ah bon? Sa mort sera notre renaissance. La vie d'Eleanor est entre vos mains. Je prends. Je peux pas prendre la chevrotine? Bon. Je pense qu'on est à la moitié de l'aventure, je pense, hein, sur BioShock 2. J'en suis pas sûr, mais bon. Je prends, voilà. Ok. Ouais. Je prends. Je peux pas aller sur le cadavre là, je sais même plus comment on se fait. Mais... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le jeu. Ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus. Tais-toi. J'ai complètement oublié qu'il y avait des caméras dans ce game. Ah d'accord. Rien que ça. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, de toute évidence. Toi qui parles. Facture à la minute, minable. Il est l'autre. Oh,
De toute façon, je me mets plus dessus là. Je vérifie qu'il n'y a rien par là. Ouais, je prends. Allez, dégage. Je prends tout. Pas mal de choses à fouiller. Hein. Je prends. Du soin, je prends. Voilà. On sait jamais ce qui se passe. Le soin, c'est très important. Hein. Non. Qui me tire dessus? N'approchez pas. C'est ma petite fille. Hein? La bonne nouvelle, c'est que je nous ai trouvé un nouveau train. Ah bon? La mauvaise, c'est que la station est encore bouclée et qu'on n'est pas seul ici. Ah merde. Je vois une ombre dans le poste de sécurité. Alors, je vais me planquer pendant que tu vas voir ce qu'il en est. D'accord, c'est moi qui fais tout le travail, d'accord. Ça, je prends. Salut les gars, je me présente. Stan Poole du Rapture Tribune. C'était une belle feuille de chou dans le temps. Faut l'ouvrir, ça. Avant que les gens du coin lui trouvent un autre usage. Bref, j'ai un marché à vous proposer. Rendez-vous à la station. Je vous attends dans le poste de sécurité. Ok. Si tu me dis. Bon, on va y aller. Hein. Acheter une ration. Ouais. Juste voir ce qu'il y a en haut. Apparemment, il n'y a rien. Bon, c'est bon. Bon. Pour l'instant, ça passe, on va dire. On avance, on n'a pas eu trop de difficultés pour l'instant. On était partenaires. C'est qui? Partenaires. Vous le départagez du 50-50. Disais oui, et tes yeux disaient autre chose. Tu peux pas tout garder pour toi. Tu vas. Ok. Le parc Dioniso, c'était mon foyer, Delta. Une expérience d'union sociale, interrompue brutalement par la folie humaine. À chaque pas que tu fais, tu profanes sa mémoire. Mmh. Juste une chose. L'ambe sait que vous êtes ici. Mais moi, je suis là incognito. Le truc, c'est que depuis que vous avez désengorgé le parc, les petites sœurs ont commencé à farfouiller partout à la recherche d'Adam. Et ça, je peux pas les laisser faire. Oh, il y a un gros lourd qui arrive derrière, non? Non? J'ai entendu du bruit, je crois. Pff, j'étais désertique, j'ai rien comme sous, donc... Je prends mon pirate. Ah merde! Allez, vas-y, charge, j'ai plus de... Il est où ce con? Ouais, dégage. Dégage. Je peux pirater le truc ou pas? Allez, un. Allez. Oh là, c'est long. Putain, mais il est où ce con? Mais casse-toi de là, toi! Il est où? Casse-toi, enfoiré! Putain, il m'a niqué toute ma vie, ce con. Je sais même pas si j'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Ok. Bon, là, je peux acheter du soin, je pense. Hein. Parce que là... Voilà. Bon. Pour l'instant, ça passe.
je les prends. Ça peut servir. Y'a que... Je te suffis pas. Non. Allez, vas-y, charge. Foiré. Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Ouais. J'ai pas grand-chose, hein. À part les grosses balles, là. Prends ça, papa. Dépêche-toi, surtout. Hein? Maman ne peut pas m'entendre, mais... Elle me regarde. Si tu voyais son visage. Je vérifie qu'il n'y a rien, là. Ouh là là, langue de grenade. Oh, c'est magnifique. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Je prends ça, je prends ça. $2, je prends. Rien d'autre? Ok. Oh là là, magnifique lance-grenade. On va garder celui qu'on avait là. Quelqu'un? L'homme veut qu'on travaille ensemble! Apprends-y! C'est fait. Ça, je prends. Ok, là c'est le truc qu'on a fait, d'accord. Je prends. Je vérifie qu'il y a rien là. Et je prends. Bon, vous savez ce qu'on dit. Les morts ne sont pas bavards. Mon cul. Qu'est-ce que tu fais là? Avec la dent, un macabé, ça peut en dire long. Lambe sait comment lire dans cette merde. Si cette dent parvient jusqu'à elle, demain ce sera moi la rubrique nécro. J'apprécierais que vous enterriez l'histoire du parc Dionysos, voyez? Débarrassez-vous des petites sœurs pour moi, à votre façon, et je déverrouillerai la station pour vous. Parole de scout. Tu te fous de ma gueule? C'est gros comme une maison, ce type nous cache quelque chose. Cela dit, comme il s'est enfermé dans le poste de sécurité, on va devoir jouer le jeu. On n'a pas le choix. Trouve-nous ces fillettes. Bon, d'accord. En fait, il faut que j'en sauve 3. Et celle d'hier. Ok. Oh! C'est qui celle-là? Donc il faut que je trouve 3 fillettes pour qu'il me débloque la station, hein. Celle d'IA. Ok. Tu veux que je les trouve où, moi, tes fillettes? Je vais bien te les sauver, mais je les trouve où, moi? Je peux pas y aller, désolé du bruit. J'entends du bruit. Personne. Essaie de pas brûler les objets de valeur, champion. Espèce de crevure métallique. Attends. Et je les trouve où, les fillettes, frère? Et merde. Faut qu'il y en a un derrière. Allez, ouvre. Boum. C'est fait. C'était pas des fillettes, mais c'est pas grave. Y'a pas de fillette là, je fais comment? Bienvenido a la morando. Je prends.
J'entends du bruit, mais je sais pas d'où ça vient. Voilà, on est en revenu là où on était, d'accord. C'est bien ça, hein, l'objectif. Trouver trois sœurs et récolter leur radin. Ouais, bien, c'est bien ça. Hein. Où est-ce que je peux en trouver une? Je sais pas. Petite sœur. Ah bah si. Attends, moi je suis où, moi? Petite sœur, c'est avec les petits bonhommes. D'accord. Et moi, je suis dans la zone... Je sais même pas où je suis. Attendez. Ok, moi, je suis là. Il y a une petite sœur qui est sur le côté, là, tout à gauche. Il n'y en a pas une à côté? Non, tous les autres, c'est de l'autre côté. Donc, on va essayer de retourner dans la zone qui est là-bas. Si on peut. Attendez. Ouais, par là, par là, par là. Ah, il y a quelqu'un là-bas au fond. Qu'est-ce que... Je vais te faire bouffer ton ego. Ah non. Je suis très prêt. D'accord. Très bien. Donc je disais j'étais où? Ah ok. C'est juste derrière la porte. Normalement il y a une petite sœur par là. Eh ben elle est là. Attends. Attrape-la. Attends. Laisse-moi choisir mon arme. Des trucs là, ça va pas le faire. Merde. Bon, putain, elle est où cette. Putain, la caméra de merde là. Putain, j'ai pas vu cette caméra de couille là. Oh putain de merde. Aïe, je vais crever là. Je vais crever, c'est certain. Casse-toi de là, toi. Tu vas pas crever, c'est clair. C'est pas. Attends. Casse-toi de là, toi. Où c'est clair. Attends, je viens te chercher plus tard, toi. Allez. Allez. Il est où ce con? Allez, casse-toi. Enfoiré. Désertique. Il n'y a pas de... Bon. D'accord, il n'y a même pas de soin. Je sais pas comment je vais faire pour ça, mais j'ai fait les gars. Alors. Je dis à toutes mes copines que tu es là. Ah mais putain, lâche-moi toi là-bas. C'est pas possible. Donc. C'est toi? Ça veut dire qu'on est heureux ensemble? Attends. Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire déjà? Petite sœur. Attends. Sauver trois petites sœurs ou récolter. Ah d'accord, alors, ok, je dois le faire au pif quoi. Plutôt malin, pas vrai? Vous la mettez au travail, et vos veines se remplissent d'Adam. Mais vous êtes du genre taiseux, vous, et ça me va très bien. Ouais. Donc ça a fonctionné ou pas? Non.
il faut que je la mette tout déjà. J'ai pas vu de truc pour la mettre là, la gamine. Je sais pas où la mettre. Si tu crois que c'est pour moi que je récolte la dent, tu te trompes, Delta. Eleanor est notre rêve. Un rêve qui n'a pas besoin d'armes, ni de tours de passe-passe. Ah bon. Où est-ce que je dois la mettre, la gamine? Je sais même plus, j'ai pas de... Où est-ce qu'on doit la mettre? Je suis retourné ici. Manche à air. Ah bah si, normalement, il y en a une là dans le coin. On doit la manche à air. Normalement, il y en a une dans le coin. La manche à air, où est-ce qu'elle est? Tac, 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 non, c'est pas par là. Ouh, loulou. Ça doit être dans cette zone, non? Alors la zone qui est par là, peut-être que je dois traverser par là, il y aura une manche à air là dans ce côté là. Ah là voilà. Sauver. Voilà. Ok. Allez monte. La dent que tu as trouvée contient les souvenirs de tous ces cadavres. Normalement, seules les petites sœurs peuvent les voir. Mais je peux te montrer ce que veut cacher Stanley. Lorsque maman a été arrêtée, c'est Stanley qui a pris la direction du parc Dionysos. Il a dépensé tout son argent en réception des mantes. C'était comme s'il essayait de la ruiner. Rien que ça. Tout va bien? Il ne s'agirait pas de perdre le nord, l'ami. Non, oui, trouve-moi les autres gamines. Oui, mais j'avais compris, merci. Le plus important, c'est de trouver de la santé, surtout. Alors, il y en a un ici, tout en bas, là. Donc, on va aller dans cette zone. Il y a un peu de soins par ici. On va aller tout en bas, là, de ce côté-là. Ouais. En espérant de ne pas se faire avoir. Et surtout de trouver de la santé, parce que niveau santé, je suis dans la merde. Voilà. Essayer de passer par là, si on peut, non? Ouais. Ça amène par là. Et il y a un parti par là. Tu sais, Delta, c'est rien qu'un numéro de série. J'ai fait pas mal de recherches sur toi pour un article. Pierre-Roland Clume, qu'on t'appelait. On disait que t'avais trouvé la ville tout seul dans une cloche à plongeurs. C'est ignoble ce qu'ils t'ont fait. Putain, tu peux pas changer? Oh, merci. Ok. Ok. Putain, mais j'ai pas rien, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, je suis dans la merde. Attends. Ouais, je suis bien dans la zone, il y a une sœur juste en bas. Là. J'ai plus de soins, je suis dans la merde. Vous n'êtes pas digne de la regarder. T'as pas un peu de soin, frérot? Ah si. Waouh, quoi? Y'a quoi? Y'a quoi encore? Qui m'a tiré dessus? C'est ça? Enfoiré. Bon, j'ai un peu de sous, là. Pour faire un petit peu de soin, si je peux. J'ai ramassé quelques sous, mais bon. Voilà, prendre des seringues, machin, boire. Peut-être ça me soulage un petit peu, mais bon. Alors il faut que j'aille par là-bas, c'est ça?
essayer d'aller par là-bas, même si c'est pas dans la bonne direction que je vais. Bon, je prends les dollars. Ah. Bon. Ok. 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 D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là ? Ouais, boire, mais ça va m'avancer à rien, ça. Oh, merci. Voilà. Je prends tout ça, voilà, donne-moi ça. 2 dollars, je prends. Mais ne touche pas, toi ! Je suis bourré, mais je vous vois, hein. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Bon, je continue, j'avais pas fini, voilà. Alors. Ok. 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 Alors. Oh ouais, 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 pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. T'avais plus rien, toi, c'est ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors. Le mec, il est juste par là. D'accord. Je prends. Alors, la santé... Ton truc de machin, il est où ? Il y avait une machine de souffle là, tout à l'heure. Là, dans Air Rapture, Delta. Ah bon ? Les plus grands esprits des cieux se mêleront dans une mosaïque sublime. Putain, il n'y a plus de machin. Et les trucs où il y avait les... Imagine tout ce que tu gaspilles à chaque goutte que tu dérobes. Pour la santé, c'était où ? Il y avait une machine avec plein de santé. Enfin, une machine de un sou. Enfin, une machine où je pouvais acheter du matos pour les... Il y a qu'à mon héritage. Pour la santé. Apparemment, je le vois plus. Mais bon. C'est bien par là. C'est tout droit. C'est juste derrière cette porte. Ok. Bon, je prends les chips, hein, ça peut servir. Fouiller, les dollars, je prends. Ça me fera un peu plus de sous. Mange. Mange. Voilà. Ça me fait de la santé bien remplie. Voilà. Je prends. Ok, bon. Bah, c'est juste derrière, je pense. Hein. Allez, go. La voici. Il est où ? Regarde-moi comme elle est mignonne, la môme, avec ses petites bouclettes. Allez, débarrasse-toi du gros et occupe-toi d'elle. Oh 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 oh. Attends, 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 la merde. Ouais, je me change d'arme, frère. Attends. Lance-toi dans ta face. Ouais, allez. Casse-toi. T'es venu tuer ce con. Mange. T'as pas d'autre chose ? Y'a pas autre chose, c''est quoi ? Il est où ? Voilà, crève, voilà, c'est dedans. Ouf ! Viens là, ta saleté. Bon. Très bien. Une de plus. Parfait. Alors. On va retourner de là d'où on vient. Alors cette partie, cette zone-là, là. Je peux pas acheter du soin là.
C'est... Je trouve pas ça normal. Mais bon. Alors, ah bah voilà, il y a une partie là. On sauve ou on récolte? Voilà. Voilà, foutre là. Parfait. Oui, c'est bien moi. J'ai affronté Stanley. Je lui ai dit que je raconterais à maman ce qu'il avait fait. Il a pris peur. Il m'a enlevé, puis vendu à un orphelinat. Je me suis débattue. Je l'ai même mordu à la main. C'est à cause de lui qu'ils ont fait de moi une petite sœur. Ok. Parfait. Qu'est-ce qui se passe encore? J'entends du bruit, mais... Les enfants ont grandi ici, espèce de crevure. C'est quoi, toi? Au final, t'étais juste un explorateur avec un sacré paquet dans le scaphandrier. Pierre-Roland Clume, c'est le public qui t'a baptisé comme ça. Le truc, c'est que Ryan était persuadé que t'étais un espion. Du coup, ces gars t'ont enfermé. Et ont effacé ton nom des mémoires. Attends. Adieu, Pierre-Roland Clume. Bonjour, sujet Delta. J'ai même pas vu que j'avais presque plus de santé, quoi. Ils m'ont tout bousillé, c'est con. Je suis dans la merde. Encore un coup, je suis dans la merde. Quand tout sera fini et qu'on se partagera le trésor de Rapture, on se la coulera douce sur une île privée, petit. Ouais, c'est facile à dire, ça. Toutes les grandes nations viendront nous faire des courbettes et nous offrir une montagne de fric. Attendez, il faut que je trouve une machine avec du soin, là. Distributeur, machin. Là, il y a un distributeur, là, dans le coin. Je crois qu'il n'y avait pas des sous, ici. Là. Enfin, une machine à sous. Oh, putain! Je me barre. Une partie, là, que c'était... Ah, bah, voilà, une machine à sous. Allez, avance. Vite. Du soin, merci. Voilà, je prends tout. Je prends tout le soin, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ouf. Attends. Mettre ça là. Bon, ça me rassure au niveau soin. C'est bon. Bon, c'est quoi ton problème? T'es où? Qui est? C'est toi, Gervais. Mange. Hein? Voilà, quoi? Bon. Tu dors ou pas? Si. Allez, mange. Allez, mangez. Boum. Prends. Il se passe quoi? Il est là, lui. Viens là, toi. Change de munitions, du con. Je suis en train de tout niquer là. Bon, tu veux la merde, toi, hein? Viens ici. Viens ici. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Allez. Allez. Viens ici. Viens ici, c'est un homme. Allez, casse-toi. Tu as crevé. C'est bon, tu as crevé. Allez, c'est bon. T'es mort. T'es quoi, t'es mort. C'est bon, t'es mort. Hey, toi, la colasse là-bas, là, viens là. Attends. Ouf. Bonne nuit, mais c'est toi qui vas dire bonne nuit, frérot. Bonne nuit, eh ben oui, c'est toi aussi. Il est où le guignol? C'est bon, c'est fini. On
Ok, il est de là. Quoi, il y en a encore ? Allez, crève toi. Ouf ! Il y en a encore ? Non, merci, mais je préfère rester dans ce trou. Enfin. Laisse tomber, putain ! Ah, dégueulé. Ouais. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon. On s'en sort pas trop mal. Je sais même pas combien de sous j'ai ramassé. Tac, tac, tac. Là, y a pas de balles. Là, je prends. Bon, ça va me servir à rien, mais bon, c'est pas grave. Balle machin, là, 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 là. Mouais. On va prendre ça. C'est comme ce petit à de feuille à putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? On ne joue pas. Je sais pas d'où ils sortent. Allez, donne-moi ça. Je vais essayer de revenir là où il y avait des. La zone où il y avait les. Là, il y avait des trucs là. Des munitions, enfin des, du soin. Voilà, la machine là-bas au fond. On vous y trouve tous les soins, les cons. Hein. Bienvenue à la farandole des prix. Voilà. Et bon. Tac, je recharge tout. Voilà. Oh, je coupe sûrement plein de choses, mais bon, après. Pas mal de choses. Tic tic tic. Ouais, ouais. Ouais. J'ai pas le choix. Il va adorer. Eh merde. Bon, Dave, ah t'as pas tout dans la. Fais dodo. Je prends ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Je prends. Voilà. Sortez de votre cachette, voleur. Vous n'aurez jamais. Ben voilà ton cachette. Tu voulais que je sorte? J'arrive, mais. Nouvelle munition. Nouvelle munition. Enfin, nouvelles armes aussi. Tac 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 tac. Je vérifie bien tout. Ouais. Chevrotine à phosphore, chevrotine normale, chevrotine blindée. Ouh! Ah ah! Ok. Trousse de soins, je prends avec plaisir. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre. À part boire, c'est bon. Allez, par là. Ok. Là, il y en a une! Corrige-moi ce gros crétin de Cory et chope la petite sœur. Vas-y, vas-y. Allez, 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 on a là-bas au fond. Vas-y. Oula, 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 oula. Oula, il est puissant, ça. C'est pas tiré, toi. Vas-y, 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 vas-y. Voilà, voilà. Voilà. Viens là, toi. Monsieur P. Tais-toi.
Ok, maintenant il faut que je le trouve. Ah bah voilà, il est juste là. Allez hop, on va tous les sauver quand même. Comme ça, c'est fait. Bon, voilà déjà ça de fait. Après s'être débarrassé de moi, Stanley a laissé les adeptes de maman dégénérer, se changer en bête féroce. Lorsqu'il a appris qu'elle était revenue, il a compris qu'il était perdu. Tous les fidèles n'hésiteraient pas à l'accuser. Alors il a cherché un moyen de les faire taire. Et maintenant, il essaie d'effacer ses traces. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais ramasser ? Bon, ça, c'est pas mal. Voilà qui est fait. Ben oui. Maintenant que toute cette histoire est enterrée, Lamb ne se doutera de rien. Eh, ah bon, reviens, l'ami. J'ai rouvert la station pour toi. Ah bon. Par contre, souviens-toi, si Lamb t'attrape, pas un mot. Mais j'espère pas, quand même. J'espère pas. Écoute-moi, Delta. Notre conflit d'intérêts a l'air de perturber Eleanor. Alors... Le docteur Lamb va pas nous lâcher maintenant. Reviens vite à la station. Il faut qu'on se mette en route. Ben oui, ben je sais, j'avais compris. Grâce à la dent, Eleanor deviendra la fille du peuple. Une véritable enfant de l'utopie. Infiniment brillante et dénuée de toute notion d'individualisme. Mmh. Après son avènement, oula, y en a encore toi des moi gens qui arrivent ne là-bas, serons quoi. Plus rien. Ah, des chiens errants voilà. Autour d'une aube. Ouais, je vais prendre ça. Alors, Max. Nouvelle. Moteur battu, toi. Les filles que tu as sauvées des griffes de maman t'ont laissé me un barre, cadeau pour partir. Va voir au jardin des glaneuses. Attends, toi. Attends. Mais lâche-moi. On avance, on avance. C'est même pas visé, de toute façon. Sujet Delta, cela fait des années maintenant que je suis au courant de la traîtrise okay. de Stanley. Et que je lui ai pardonné. Malheureusement pour lui, en mettant Eleanor en danger, il a scellé son destin. Vois-tu, c'est Stanley qui t'a vendu à Ryan. Il est responsable de ce qui t'est arrivé. Le poste de sécurité est ouvert maintenant. Ah bon ? La vengeance n'attend que toi. Attends, 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 qu'est-ce que tu racontes ? Jésus, Marie-Joseph ! Lamb savait tout ça ! Et elle m'a laissé dérailler pour... Oh mon Dieu ! Écoute-moi ! Attends, 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 attends. Mon ami, le train est prêt. Pars ! Mais épargne-moi ! Je t'en supplie ! Dieu tout-puissant ! Ça n'avait rien de personnel, je le jure ! Ne... Pitié ! Ouais, d'accord, d'accord. Ok. Je vais prendre tout ce qu'il y a là, déjà. Ouais, allez, je me casse. Bon. Maman ne ment pas cette fois-ci, papa. Très bien. Il a vraiment fait ça. À toi et à moi. Bon. Ah, parfait. Une partie de fête. Fontaine futuristique. On va voir ce qui nous attend par la suite. Ok. À sauvegarder les fêtes, parfait. Bon. Et voilà, mon gaillard. C'est là que tout va se jouer. Ah bon? Je crois que la mère d'Eleanor utilise la dent pour faire passer de force les souvenirs et les personnalités des citoyens de Rapture ah bon dans les veines de la petite. Oh. Et Lamb croit que ça fera d'elle une sainte. Eleanor se trouve dans une zone isolée, sous le QG de Fontaine. D'accord. Si tu veux rester en vie, va falloir s'y faufiler et la trouver. Ok. Non, on va voir ce qu'on pourra faire. Pénétrer dans les locaux de la Fontaine futuristique. Parfait. Bon, là, c'est le plan. Bon. Bon, on va y aller, hein. Bon. Ok.
Oula, j'ai l'impression de connaître cette zone, moi. Pour Eleanor et pour la famille. Pour le docteur Lamb, pour la famille. Tiens, la famille. Tiens, la famille. Voilà. Non, mais j'ai l'impression de connaître cette zone, j'ai l'impression de... C'est le premier... Quand on arrive dans le premier Bioshock, on arrive et on tombe ici. J'ai l'impression que c'est le premier Bioshock, après j'en sais rien, peut-être Metro, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression de reconnaître ce décor, en tout cas. Et hop, je prends. Il n'y a rien. Oh. D'accord. Allez. C'est quoi ça? Ah. Nouveau fortune chercheur. Ah bon? Non. Très bien. Hey, tu m'as fait perdre toi. Hein. 9 octobre 1967. Bonjour. Je m'appelle Gilbert Alexandre, et quand vous entendrez ceci, j'aurai sombré dans la folie. J'enregistre ces témoignages dans un dernier élan de lucidité afin d'aider quiconque essaierait de m'éliminer. Mon prochain message vous attend après le poste de sécurité. Okay. Le scanner biométrique déterminera si oui ou non vous êtes suffisamment sain d'esprit pour qu'il entre en votre possession. Mm-hmm. Français futuristique, objectif de trouver le prochain message de Gilbert Alexandre. Gilbert Alexandre. Si j'ai bonne mémoire, il était impliqué dans le développement des protecteurs depuis le lancement du projet. Il doit certainement avoir sa responsabilité dans ce qui vous est arrivé à toi et à la petite. Ah. D'accord. Bah c'est ce qu'on va voir. Hein. On va voir ça. On va le vérifier. Très bien. Je prends tout ça. Là, je t'ai vu. Hop. Crois pas que je t'ai pas vu. Je bois. Ouais. Enfin, Gilbert, il s'est déjà tout injecté. Disparaît, disparaît. Que cela vous serve de leçon à tous. Tiens, tiens, on est revenu se remplir les fouilles avec Lord Fontaine. Ne savez-vous pas qui je suis? Je suis la personne, non, le corps moral de l'entreprise. Je suis Alexandre. Alexandre, rien du tout, frère. Je pense à ça. Rose n'a pas besoin d'un dégénéré comme vous. Tu parles. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Il est pas regardé. Ouh, quelle chute! Allez, donne-moi tout ce que t'as, frérot. On ne joue pas. Chaque fois, il aurait le salut. Tout à l'heure, me tirer dessus. T'as rien en plus, t'es nul. Aïe 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 aïe. Tu volais de là-dedans. Au voleur. Donne-moi ça. Attends. Voilà. Pas une caméra ça. Non, c'est bon. J'ai plus grand chose hein. C'est plus grand chose. Arrête, les gars, pissez. Ça donne rien, ça. Ça va vite, toi, avec toi. Hein. Alexandre le Grand. Attends. Oh Dieu, ça doit être Gilbert Alexandre, celui qui a laissé le message dont nous suivons les instructions. Ah, j'en sais rien. M'a l'air sacrément agité du bocal. Si tu le dis, moi, je sais pas.
Activer le scanner biométrique. Ok. Bon. Et je vérifie hein, si j'ai rien loupé. Normalement, c'est bon. Ah. Initialisation du scanner biométrique. Et détermination du niveau d'accréditation. Identification effectuée. Sujet de test clinique. Quoi? Référence taxinomique. Protecteur. Référence nomique. Comment? Ma secrétaire vous estime digne de confiance? Delta, c'est cela? L'un de nos anciens protecteurs. Je vais m'ouvrir la porte là. Vous êtes un très beau produit, Delta. Excellent, même. Construit pour durer. Oh, je crois qu'un de vos anciens collègues aimerait vous. Eh merde. C'est quoi ça? C'est qui lui? Tu m'auras pas frérot hein. T'as cru frérot. Donne-moi tout ça. Non, Delta. Statut actualisé. Vas-y, ouvre-moi la porte. Statut actif. Merci. Accès autorisé. Merci. C'est encore moi. J'ai été exposé à une dose massive d'Adam. Lorsque vous entendrez ce message, sachez que j'aurai programmé la sécurité entière de ces locaux à son niveau de défense maximum. Ça veut dire que vous allez devoir détruire mes sentinelles. Mais il est où le... Venir me tuer. Croyez bien que si j'avais pu moi-même mettre fin à mes jours, je l'aurais fait. Vous pourrez utiliser l'enregistrement... Ouais, laisse tomber, je veux pas perdre de temps pour ça. Pour duper le dispositif de reconnaissance vocale du poste de sécurité. Le mot de passe est... A News Day. Ton mot de passe, c'est quoi? What? J'ai pas compris. Accéder au poste de sécurité, d'accord. Day. J'ai même pas vu la lecture. A News Day, que je sais pas quoi, là. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. A News Day. Accès autorisé. Ah bon. Bienvenue, Gilbert Alexandre. Je vous ai entendu, Delta. Ma voix appartient à l'entreprise. Tout comme vous! Que je ne vous y reprenne pas! Ouais, bah je m'en fous, moi. Ok. Oula, je crois qu'il y a des caméras là. Je les entends, les caméras. Je sais pas où elles sont, mais je les entends. Ah, ça y est, je les vois, elle est là-dedans, là. Je les vois. Faudra passer par là. Je vérifie qu'il n'y a rien. Ok. Il n'y a rien. Bon, on peut passer par là. Pour entrer, veuillez prononcer le mot de passe. Je vous avais prévenu. Lorsque le spleen vous envahit, que votre vie n'est que douleur et qu'il pleut de rue sur votre cœur. Il s'est fait. Et devenez un Olympia. Plus éclairé, plus... Ah, plus noble. Tu m'ouvres la porte, oui. Accès refusé. Veuillez parler plus distinctement. 60 On dirait que Gilbert a verrouillé le bâtiment avec un dispositif de reconnaissance vocale. Vois si tu peux pas trouver un moyen de le saboter. Ah ouais, comment? Le poste de responsable de la sécurité dépasse de loin vos compétences, Delta. Si vous êtes à ce point désireux de rendre service, réglerez le temps, c'est de l'argent. Non. Ah,
Assis, assis. Assis, assis, assis. Prenez ce que vous voulez. Ok. Oh non! Putain, il est là-haut, la connerie. Je vais juste voir ce que je peux récupérer par là. Alors. Bienvenue à la farandole des prix. Je vais prendre ça. Voilà, le maximum que je peux de flingue là. Où est-ce qu'il est le truc? Il est là. Voilà. C'est quoi ça? Ok. D'accord. Tac tac tac. Ça je prends. Acheter des munitions, je vais t'en prendre plein encore là. Regarde-moi ça, voilà, ça c'est bon. Après, il faudra que je monte en haut. Mais je vérifie bien si je loupe pas des petites choses. Ok. Oh, un petit poisson. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, je peux pas utiliser, ça sert à rien. Ok. Bon. Ah, c'est pas par là. Ça, il faudra venir revenir plus tard, je pense, par ici. Hein. Donc faudra aller tout en haut, hein. Je pense, non? T'as fini mal en point, toi. Lance-grenade, je prends, mon ami. Grâce aux nouvelles technologies plasmidiques développées ici à Fontaine Futuriste. Incroyable, docteur. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. Merci. Ok, bon. Investissez dans la technologie plasmidique. Ne touchez pas à ce relais de signalisation. Oh que si. Il vaut 10 fois plus cher que vous. Détruisez les relais. Vraiment. La destruction d'un bien de Fontaine est passible de renvoi sans préavis. Vous comprenez ce que cela signifie, Delta? Que vous êtes viré. Viré. Je vais gagner toutes les balles pour cette merde. Putain, les mecs. Oh merde. Casse-toi là, toi. Dégage. Je suis en train de crever. Oui, ils sont dead. Ils sont dead. Apparemment, oui. Il est où, ce con? C'est toi, méchant. Saleté. Allez, viens là, toi. Monsieur P, tu m'emmènes aussi à la maison? Oh non, je crois pas, non. Ok, bon. Celle-là, où est-ce que je pourrais la mettre? Non, juste derrière moi, normalement. Oh, bon, voilà, c'est là. Allez, go. Très bien. Vas-y, monte là-haut. Merci. Allez, trousse de soins, j'en prends. Et des balles de machin. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, je sais même plus ce qu'il fallait que je fasse, moi.
Je n'ai même plus ce qu'il fallait que je fasse. Hein? Ça fait. Voilà, merci pour tes balles. Il fallait que je détruise des trucs. Il fallait que je détruise des choses, mais je sais plus où c'est. C'est ça, hein? Détruisez les relais de signalisation. Ok, il y en a 4. Il y en a 4. Il parle. C'est qui parle? Oh, il y a quelque chose par là. Le tyran embrasse le monde, affirmant que tout entier. Je ramasse. Ouh! Tac, je prends tout ça, moi. Ok. Lui seul soutient les arguments, monsieur. Toute chose. Étrange. J'ai atterri où? Je suis tombé? Oh merde, je suis tombé. D'accord, je prends tout ça. Ok. Tac, tac, tac. Technologie plasmidique développée ici à Fontaine Fusion. Jamais je ne m'étais senti aussi bien. Oui, merci. What? Comment on fait déjà? Courageux n'est pas téméraire. C'est dans la technologie. Il est en train de se faire. Lester. Allez, donne. La tête d'humeur se cache. Se cache les docteurs. Que quoi, toi? C'est un intrus. Oh, demandez ça. Bande de fou. Allez, hop. Allez, hop. Je prends. Alors, je vais le mettre. Oh. Je suis abattu là aussi. What? Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord. Ah, c'est là où j'ai fait tout le tour, d'accord. J'ai fait tout le tour. Bon, ok. Où êtes-vous? Je dois m'abriter d'une banalité. C'est bien, petite pièce. Te barre pas. Ah, c'est bon. Bien le bonsoir. Je vais me coucher, moi. Parfait, je prends. Je sais pas où ils sont, les autres trucs. Il a détruit les relais de signalisation. C'est pas indiqué sur la carte. Je sais exactement ce que les personnes comme vous recherchent. Et vous n'en aurez pas. You. Okay. On peut te faire saigner, toi. Ouais. Bon. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis. Hein. Parce que là... Attends. C'est caméra, ça? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter à là pour cette partie. Et on fera ça lors d'une prochaine vidéo. Parce que là, je sais pas où. C'est moi qui ai conçu ce dispositif, Delta. Vous vous en servez comme un babouin. Si tu le dis. Ok. Panneau de sécurité. D'accord. Bon, on va s'arrêter à la, les amis, pour cette partie de Bioshock 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, évidemment. Et on se retrouvera pour la prochaine fois, juste après, pour qu'on se soit débarrassé de ces petits cons.
Voilà. Je ramasse tout ça. Voilà, merci, merci. Donne-moi tout ça. Ok. Voilà, merci. Ça me fait des petits sous en plus. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter à là, mes amis. On va aller juste ici la prochaine fois dans cette zone. Il y aura sûrement des petites choses à faire. Allez. On sauvegarde. Hop. Et on s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.